Vous tous qui venez de me croiser sur cette page Valérie Tchimouta, abonnez-vous massivement. N'hésitez pas, vous ne serez pas déçus. Ça, c'est l'avenue Katomba en Mbujimayi. L'avenue Katomba, Mumbukilaku, gouvernorat à province, à Kasaï Oriental, Moutang, il a Kukala, la Wankata. Donc, Baban et Betubos, Bavamou. Luta tu loku ku kwenzela njile umpindia ukabena mokuta taka bijuto ngenda nyana ngwa mu asphalt umwela lelu kushunu bamone umwela mu minitemu bajumunga chimukwela bende bele bimpa bilenga nang kujibana betu basa Frimex mujumu mu impa bikola ujibenza bwalubobu kabena bala jijila nasha katona imita akujimijeto bena sa Frimex donc vous êtes habitué à suivre la chaîne de Valérie Tchimouta. Merci, bonsoir. Vous êtes habitué à suivre la chaîne Valérie Tchimouta, la chaîne YouTube. Appuyez donc. Appuyez sur la mention j'aime. Appuyez. Tapotez, tapotez. Je vais commencer à vous montrer comme ça. Je serai parfois en live sur YouTube et sur ma page Facebook. Valérie Tchimouta, hein? Encouragez à mon homme. Likez à y, j'abonnez coucou, s'abonnez. Devenez même à un cas d'abonnés. Je suis là. Même beaucoup de jours. Beaucoup de jours. Même vous aussi, vous m'avez manqué. Vraiment. Donc, vous comprenez vous-même que je suis chez nous, je suis chez moi, c'est ça, Frimex, c'est chez moi. Je suis en train de vous montrer. On va aller comme ça jusqu'à arriver jusqu'à Kalalawankata. Et vous aussi, de votre côté, likez, partagez massivement cette vidéo sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Partagez massivement, likez, abonnez-vous. Ne passez pas sans vous abonner. Abonnez-vous pour ne rien rater sur la page de Valérie Tchimouta, pour ne rien rater sur le compte TikTok de Valérie Tchimouta, pour ne rien rater sur le compte Instagram de Valérie, pour ne rien rater sur le compte YouTube, la chaîne YouTube de Valérie Tchimouta. Donc, encouragez les efforts comme je suis en train de faire là. Regardez vous-même. Je vais aller jusque là où il y a les engins de Safrimex pour vous montrer. Aujourd'hui, donc, je peux tourner un peu pour vous montrer. Là, ce sont les habitants, les riverains de la ville de Mbujimayi, du quartier de l'avenue Katomba, qui se sont accourus le long de la route pour regarder comment les travaux s'effectuent. Et c'est vraiment très, très beau, c'est vraiment très bien. Bonjour, merci. C'est vraiment très, très, très bien et tout le monde est content. Tout le monde est content. Oui. Aujourd'hui j'ai filmé, hein. Aujourd'hui, j'ai pris l'image. Donc, lui, c'est ingénieur. Présentez-vous. Patrick Moukanya. Alors, ingénieur Patrick Moukanya, est-ce que vous pouvez expliquer aux gens qui sont en train de vous suivre que c'est qu'est-ce qui se passe ici? Il s'agit de quoi? C'est quel projet? Oui, c'est le projet 35 km Safrimex. On est en train de terminer le mètre linéaire qui était resté pour 35 km. Comme il s'agit de Kasavubu qu'on a terminé hier, Mouya on a terminé, on est en train de finaliser Katomba. On est en train de finaliser Katomba avec la couche d'enrobé. Donc la finition de tout.
Alors, pour les 35 km, vous voulez dire qu'il reste que l'avenue Katomba ou il y a encore d'autres? Oui, il y a Bodine 4 qui reste, Boucle-Lachugère, qu'on va attaquer à l'avenir bientôt là. Bientôt là, peut-être la semaine prochaine. On peut terminer Boucle, HGR et Katomba et tout. Et pourquoi ça a pris beaucoup de temps alors que le projet devrait terminer depuis les mandats passés, les 5 ans Ça a pris le temps par rapport parce qu'on installait notre propre usine de préparation de bitume. Donc l'usine est déjà en préparation, on a tout fini. C'est ce qui nous a pris un peu de temps là. Mais comme l'usine est déjà prête, je pense qu'on ne fera pas même un mois avec 35 km. Merci beaucoup, ingénieur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Hey, Libre, ma tata! Libre! Thank you.